How great is our God. Sing with me. Come on, quiet, help me sing it. Is our God. And all will sing. How great. Lift up your hands. It's our God. We want to sing it one more time. How great. How great. It's our God. Sing with me. Hallelujah. Amen. Bow down your heads. Repeat after me. Oh Holy Spirit, I surrender and I commit myself to you to be an agent of truth, to be an agent of goodness, to be an agent of kindness, to be an agent of faithfulness, to be an agent of love. D'être un agent d'amour. Lead me to love others. Conduis-moi à aimer les autres. Lead me to wisdom. Conduis-moi à la sagesse. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. You may have your seats. Veuillez vous asseoir. Praise the Lord. Hallelujah. So my message. Mon message aujourd'hui. To you this morning will be taken from the book of Matthew. Tiré de l'évangile de Matthieu. Chapter 12, from verse 22. À partir verset 22. Then they brought him a demon-possessed man who was blind and mute. And Jesus healed him so that he could both talk and see. All the people were astonished and said, "Could this be the son of David?" But when the Pharisees heard this, they said, "It is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow drives out demons." Jesus knew their thoughts and said to them,
Every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? And if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them out? So then, they will be your judges. But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. L'évangile de Matthieu, au chapitre 12, au verset 22. Alors, on lui amena un homme possédé d'un démon et qui était aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Et bien, toutes les foules étaient absolument émerveillées et ils disaient, « Ne serais-je pas le fils de David ?» En attendant cela, les pharisiens disent, « Cet homme-là n'explique les démons que par le moyen de Beelzebub. » Le chef des démons, connaissant leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est réduit en désolation, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne suffira pas. Parallèlement, si Satan expulse Satan, c'est qu'il est divisé contre lui-même. Comment dans son royaume suffira-t-il? D'ailleurs, si c'est par le moyen de Beelzebub que j'expulse les démons, vos fils, par quel moyen de qui ils expulsent, c'est pourquoi ils seront vos juges. » Today's message is titled The Ingratitude of Man. Let someone say the ingratitude of man. Que quelqu'un dise l'ingratitude de l'homme. It is more pleasant. C'est tellement agréable. More rewarding. Tellement rémunérant. To do good to the ungrateful than the grateful. Pour faire du bien aux ingrats qu'à ceux qui sont reconnaissants. This is why the ingratitude of people did not affect Jesus' zeal to do good. C'est la raison pour laquelle l'ingratitude des gens n'ont pas affecté le zèle de Jésus-Christ à faire du bien. Though he was called Beelzebub, bien même qu'il fut appelé Beelzebub, the prince of demons, le prince des démons, that did not affect him. Cela l'a pas affecté. He simply continued to do good. Il a tout simplement continué à faire du bien. Jesus Christ, Jésus-Christ, never strived to look good. He simply was good. N'a jamais cherché à être bien. Il était bon. He did not labor to appear truthful. He was truthful. Il n'a pas cherché à être véridique. Il était véridique. He did not struggle to have good reputation. He had character. Il n'a pas bataillé à avoir une bonne réputation, mais il avait du caractère. The Bible says, only your character can testify to your confession of Christ. La Bible dit que seul votre caractère peut témoigner à votre confession avec Christ. Does your character testify to your confession of Christ? Est-ce que votre caractère témoigne de votre confession avec Christ? In other words, does your life come from Christ? En d'autres termes, est-ce que votre vie émane de Christ? If your life comes from Christ himself, then follow in his footsteps. Alors, si votre vie émane de Christ lui-même, suivrez ses empreintes. When you are doing good and people do not appreciate it, don't be bothered. Lorsque vous faites du bien, les gens ne vous élogent pas, ne vous inquiétez pas. Simply continue to do good. Continuez tout simplement à faire du bien. Say to your neighbor, when you are doing good, dites à votre voisin, lorsque vous faites du bien, and people do not appreciate it, et les gens ne vous élogent pas, don't be bothered. Ne vous inquiétez pas. Simply continue to do good. Continuez tout simplement à faire du bien. Let others hate you, que les autres vous détestent, but not you, mais pas vous. Because, parce que, nobody, personne, is quite like you, n'est juste comme vous. Nobody is quite like you. Personne n'est juste comme vous. Nobody is quite like me. Personne n'est juste comme moi. I am wired in a unique way by the creator of everything. Je suis créé d'une façon unique par le créateur de toutes choses. I'm no longer myself in ideas and in behavior. Je ne suis plus moi-même en termes de comportement et d'idées.
but totally absorbed into the ideas and ways of my Lord Jesus Christ. Mais totalement absorbé par les idées et les voies de notre mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. There is nobody and there will be nobody quite like me. Il n'y aura personne et jamais personne juste comme moi. There is nobody and there will be nobody quite like you. Il n'y a personne, il n'y aura jamais personne comme vous. You cannot be me, I cannot be you. Vous ne pouvez pas être moi, encore moins être vous. Let someone say, there is nobody. Quelqu'un dit, il n'y a personne. And there will be nobody. Et il n'y aura jamais personne. Quite like you. Juste comme vous. There's nobody and there will be nobody quite like me. Il n'y a personne, il n'y aura jamais personne comme moi. Permit me to ask you this question. Permettez-moi que je vous pose cette question. Have you taken any action in your life that is capable of changing the history of your life? As-tu déjà pris une action dans ta vie qui est à mesure de changer l'histoire de ta vie? If yes, si oui, there is always a way out. Il y a toujours l'issue pour vous. There is a way for reversa. Il y a une voie pour le chemin retour. We are living in a world ruled by evil desires. Nous vivons dans le monde dirigé par les désirs maléfiques. Which rebel against and opposed to God's will. Qui rebellent et vont à l'encontre de la volonté de Dieu. This world is not our home. Ce monde n'est pas notre demeure. We are in an imperfect world. Nous sommes dans un monde imparfait. In this world, dans ce monde, people always blame others. Les gens accusent toujours les autres for their misfortune. À cause de leur malheur, autant pour moi. But always too quick to take credit to themselves for any good thing that comes their way. Mais tout prêt à prendre le crédit de toutes bonnes choses qui accourent leur chemin. When things go wrong, lorsque les choses vont mal, they begin to blame others. They don't see themselves playing a role. Ils accusent les autres, ils ne se voient pas jouer un rôle. They blame it on witches and wizards. Ils mettent cela sur les sorciers et les sorcières. They blame it on people they had quarrel with in the past. Ils accusent les gens, ils ont eu des mésententes avec dans le passé. As being the cause of their problem. D'être la cause de leurs problèmes. But when good things come, et lorsque les bonnes choses viennent, they take credit to themselves. Lorsque les bonnes choses viennent, autant pour moi, ils se donnent du crédit. For any good thing that comes their way. What is happening in the world? We are living in a world ruled by evil desires. Nous vivons dans le monde qui est dirigé par les désirs maléfiques. Which rebel against and opposed to God's standard. Qui se rebellent et vont à l'encontre de la volonté de Dieu. That is why this world is a danger zone. C'est la raison pour laquelle ce monde est une zone dangereuse. For Christians. Psalm 12 verse 2. Psalm 12 verset 2 dit. The psalmist said, everyone lies to his neighbor. Le psaume 12 dit que tout le monde ment envers son voisin. Everyone lies to his neighbor. Tout le monde ment à son voisin. We don't know what prompted the psalmist to come to this conclusion. Nous ne savons pas ce qui a motivé le psaume pour venir à cette conclusion. But I believe the psalmist was surrounded by untrustworthy people. J'aimerais croire que les hommes étaient entourés de personnes infidèles. He was surrounded by unfaithful friends. Il était entouré par les amis infidèles. And unfaithful friends are epidemic. Les amis infidèles. They are everywhere. Ils sont partout, ils sont épidémiques. This world is a danger zone for Christians. Tell me about this world. Dites à votre voisin, ce monde is a danger zone. Est une zone dangereuse. For Christians, pour les chrétiens, don't let the magnetic attraction ne permettez pas l'attraction magnétique of worldly pleasures des plaisirs mondains draw you away from God. De vous arracher, vous séparer de Dieu. Don't let the magnetic attraction of worldly pleasures draw you away from God. Ne permettez pas aux plaisirs mondains de vous éloigner, vous séparer de Dieu. This world is not our home. Ce monde n'est pas notre demeure. We are only passing through. Nous sommes juste de passage. In our passage through this wicked world, parce que nous traversons ce monde méchant, we must depend on God, on Jesus Christ for direction, so that we do not dash our foot against a stone and stumble. On doit dépendre de Jésus-Christ pour la direction pour qu'on ne chancelle pas. This world ce monde is not our home. Ce monde n'est pas notre demeure.
This world is not my home. And joy is passing through. My treasures, treasures are linger somewhere, somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I just can feel at home. Amen. The book of 1 John, livre de chapter 1, verse 3. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Alors, 1 Jean au chapitre 1, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Vous aussi, pour que vous aussi vous ayez part avec nous. Et cette participation qui est avec notre Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et ainsi, nous l'écrivions ces choses pour que notre joie soit complète. The flesh is selfish. La chair est égoïste. And wants immediate satisfaction, pleasure. Et tout ce qu'elle désire, c'est la satisfaction et le plaisir. It must be disciplined to become your servant, not a master. Et d'être discipliné pour être votre serviteur. The flesh, la chair, counts for nothing. Ne compte pour rien. The spirit gives life. Tandis que l'esprit donne la vie. The word of God is spirit and life. La parole de Dieu est esprit et vivante. Do not let the magnetic attraction of worldly pleasures draw you away from God. Ne permettez pas l'attraction magnétique des plaisirs mondains de vous éloigner de Dieu. Discipline your mind. Disciplinez votre pensée. To become your servant. D'être votre serviteur. And not your master. Et non votre maître. We all know that sugar is sweet. Nous savons tous que le sucre est bon. If you don't discipline yourself not to take excess of it, it will cause you to have diabetes. Mais si tu te disciplines pas pour prendre en excès, tu auras un retour du diabète. Discipline your mind to become your servant and not your master. Disciplinez votre pensée pour être votre serviteur et non votre maître. The flesh, la chair, is weak, est faible. And therefore wants pleasures. Et par conséquent voudrait des plaisirs. But as a Christian, mais en tant que chrétien, you must discipline your mind, discipline yourself to become your servant and not your master. Vous devez discipliner votre pensée pour être votre serviteur et non pas votre maître. I want you to know that God knows all men. Je voudrais que vous sachiez que Dieu dirige tous les hommes. He knows who man is. Il connaît qui l'homme il est. And no one can deceive God. Et personne ne peut tromper Dieu. People today, les gens aujourd'hui want to receive, veulent recevoir from God, de Dieu, but do not want to run a straight race with God. Mais ne sont pas prêts à courir la course avec droit Dieu. But want to take shortcuts or beat the gong in order to attain their goal in life. Ils voudraient prendre des chemins courts, les raccourcis afin d'atteindre leur objectif dans la vie. The Bible says we asked, but we do not receive because we ask wrongly, that we may use it for selfish, classic, and material reasons. La Bible dit que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons pour les raisons charnelles, classiques et égoïstes. It is very important for you to note. C'est important que vous notiez que that a focus on materialism can divert our attention. Our focus from God Almighty to the God of wealth. Le focus sur les choses matérielles vont dérouter nos attentions sur Dieu Tout-Puissant, mais sur les choses mondaines. I'm talking of a situation. Je parle d'une situation dans laquelle where your loyalty, votre loyauté, your love, votre amour, your commitment, votre engagement is no longer consistent. Ne sont plus consistants.
It's no longer for the glory of God. N'est plus pour la gloire de l'Éternel. You begin to see God as equal to or lower than your money. Commence à équilibrer Dieu d'être supérieur ou inférieur à votre argent. Position. Vos positions. And popularity. Et vos popularités. Like the rich young man in that book of Matthew 19, when you read from verse 16, the rich young man rejected his call to follow Jesus Christ because of earthly treasures. Juste comme le jeune homme dans le livre de Matthieu chapitre 19, qui a rejeté toutes ses richesses pour suivre Jésus Christ à cause de plaisirs terrestres. He failed to realize that treasures on earth have their habit of disappointing their owners as they don't offer permanent security. Only treasures stored up in heaven are permanent and secure. They retain their value because they are under God's own security. Nous échouons de se rendre compte que les trésors amassés sur terre n'ont pas sécurisé et permanent. Seuls les trésors amassés au ciel sont sécurisés et permanents parce qu'ils gagnent leur sécurité parce qu'ils sont sous le contrôle divin. The love of this world is the cause of turning back from the truth and away from God Almighty. L'amour de ce monde est la cause de se détourner de l'amour de Dieu et la vérité. If you receive blessings while yet in sin, you will face greater challenges that the blessing cannot stand. Tandis que vous êtes dans le péché, vous allez faire face à des défis plus grands que ces bénédictions ne pourront pas résister. Many are very much around blessing instead of being around Jesus, the blessing provider. Beaucoup sont plus autour des bénédictions au lieu d'être autour de Jésus-Christ, le pourvoyeur des bénédictions. If you receive premature blessings, si vous recevez les bénédictions prématurées, the blessing will not stand the test of time. Les bénédictions ne vont pas tenir ferme à l'épreuve du temps. That was what happened to the prodigal son. Et ce qui s'est passé avec le fils prodige. In that Luke 15. Dans Luc au chapitre 15. He received premature blessings. Il a reçu les bénédictions prématurées. And the blessing could not stand the test of time. Ces bénédictions n'ont pas pu tenir face à l'épreuve du temps. People of God. Bien-aimés en Christ. If you receive blessings. Si vous recevez les bénédictions. While yet in sin. Pourtant vous êtes dans le péché. You will face greater challenges that will leave you worse off than before. Vous allez faire face aux défis plus graves. Que par le passé. You will face greater challenges that the blessing cannot stand. Vous allez faire face aux défis plus graves que ces bénédictions ne pourront pas tenir. Blessing, we all know, les bénédictions comme takes one's loyalty, one's time, one's commitment of the Creator. Les bénédictions, comme tous nous savons, ôte la loyauté, l'engagement, le temps de Dieu vers. When blessing comes, all things pass away. Les choses anciennes passent. The way you used to talk is no longer the way you talk. You begin to choose new friends, new responsibilities. Lorsque les bénédictions viennent, votre façon à change, votre façon à parler, vos amis changent. I'm here to tell you. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire that blessings et les bénédictions have many dangers of its own. Ont beaucoup de dangers d'eux-mêmes. It is God's will for you to be blessed in all areas of your life. C'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis dans tous les domaines de but votre vie. But if you don't know the value of the blessings, you will face greater challenges that will leave you worse off than before. Si vous ne connaissez pas la valeur de vos bénédictions, vous allez faire face aux défis plus graves que par le passé. When God gives you blessings, que Dieu vous donne les bénédictions, that blessing is not meant to destroy your relationship with God. Les bénédictions ne sont pas faites pour détruire votre relation avec Dieu. Love God above all. Aimez Dieu par-dessus de tout. Love God above what? Aimez Dieu par-dessus de tout. That was why the prodigal son made costly mistakes. C'est la raison pour laquelle le fils prodige a fait des erreurs graves. Because he received premature blessings. Parce qu'il a reçu des bénédictions prématurées. Blessing les bénédictions takes one's loyalty of the Creator. Ôte la loyauté de quelqu'un de son Créateur autant pour moi. You should value the Creator more than the created. Tu veux valoriser le Créateur que les choses créées. The love of this world l'amour is the cause of turning back from the truth and away from Christ. L'amour de ce monde est la cause de se détourner de Dieu et de la vérité. In the mind of God, dans la pensée de Dieu, you were created a blessed person. Tu fus créé une personne bénie. In order to tap into these blessings, afin de puiser ces bénédictions autant pour moi, you must make the right choice in life. Vous devez faire les vrais choix. The choices you make now will determine who you become tomorrow. Le choix que vous faites aujourd'hui déterminera ce que vous serez demain autant pour moi. Make the right choice. Faites les vrais choix. The prodigal son, le fils prodige, made a wrong choice. A faire un mauvais choix.
Because he looked at worldly considerations. He placed money above God. Il a placé l'argent au-dessus de Dieu. Anything you place above God becomes your God. Tout ce que vous placez au-delà de Dieu devient votre Dieu. If you place money above God, that money becomes your God. Si vous placez l'argent au-delà de Dieu, cette chose devient votre Dieu. And you cannot serve two masters at a time. You cannot serve God and serve money. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres au même moment. Make the right choice. Faites les vrais choix. Be ready to do what is right every day, even though it's contrary to what you naturally want to do. Soyez prêt à faire du bien chaque jour, bien même que ça va à l'encontre de ce que vous aimeriez bien faire. The choice you make now will determine who you become tomorrow. Les choix que vous faites aujourd'hui détermineront ce que vous serez demain. If you ask the prodigal son, he will tell you that impatience is costly. Si vous demandez au fils prodige, il vous dira que l'impatience coûte cher. Your greatest mistake will happen because of impatience. Votre grande erreur va se passer à cause de l'impatience. Jesus Christ refused to be rushed by the emergency of others. Jésus-Christ a refusé d'être précipité par l'urgence des autres. As Christians, we should not allow hasty spirit to drive us into hasty decisions. En tant que chrétien, on ne doit pas permettre au plaisir mondain de nous pousser dans des décisions dans la précipitation. Make decisions that will benefit your future. Prenez des décisions qui vont profiter à votre avenir. Be patient. Soyez patient. Because God's time is always the best. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. If you are in a haste, si vous êtes dans la hâte, to achieve something in life, pour accomplir quelque chose dans la vie, you will either be pulled back, if not down. Vous allez soit rétrogradé ou chuté. The prodigal son was in the haste. Le fils prodige était dans la hâte. To achieve wealth. Pour accomplir la richesse. Worldly pleasures. Les plaisirs mondains. He made costly mistakes. Alors ainsi il a fait des erreurs graves. That pulled him back to start all over again. Qu'il a rétrogradé et a commencé tout au départ. Impatience is costly. L'impatience coûte cher. Be patient. Soyez patient. God's time is always the best. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. God knows what is good for you as His children. Dieu connaît ce qui est bon pour vous comme ses enfants. And will always provide what is good for you. Il va toujours pouvoir uniquement ce qui est bon pour vous. Your crying cannot move Him. Vos larmes ne peuvent pas le mouvoir. Your desperation cannot move him. Vos désespoirs ne peuvent pas le mouvoir. Your shouting cannot move him from his throne. Encore moins vos cris de son trône. He remains God. Il demeure Dieu Tout-Puissant. When you put your problems in his hands, he will put his peace in your heart. Lorsque vous mettez vos problèmes dans sa main, il mettra sa paix dans votre cœur. Wait for God's time. God's time is always the best. Attendez le temps approprié de Dieu. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Thank you. Rise up, rise up, rise Merci up. Infiniment. Veuillez vous lever. In the name of Jesus Christ. We believe you have been blessed by the video you just watched. Do not forget to subscribe and click the notification bell in order to always get updates from Apostle John Shee Ministries.